Le projet Ce que nous sommes n'est possible qu'avec l'aimable autorisation de Philippe Assalit, photographe, et son regard bienveillant sur les productions des élèves, avec le soutien également de l'association Ecosci Ecola, organisatrice du festival du film documentaire de l'Art Bastide de Rouyroux. Qu'ils en soient vivement remerciés. Philippe Assalit, dans ses voyages, va à la rencontre de femmes et d'hommes de nombreux pays, et leurs portraits qu'il réalise portent, comme autant de décalcomanies, tout ou partie des billets de banque actuels ou historiques de leur pays. Chaque portrait est d'une très grande finesse de détails portés par le format. Le réel et l'imaginaire, le présent et l'histoire, la photographie et la peinture, l'abstraction et la figuration, se jouent l'un de l'autre comme dans un reflet sans teint. Le projet Ce que nous sommes propose aux élèves de réaliser leur propre autoportrait et de le compléter par des images qu'ils vont incruster à la manière de Philippe Assalit, de telle sorte qu'ils illustrent une ou plusieurs dimensions de leur personnalité. Ils obtiendront ainsi une image composite ressemblant aux productions de Philippe Assalit. Voici une illustration de production attendue, traduisant un aspect de la personnalité, en l'occurrence l'intérêt pour les voyages et la découverte de nouvelles cultures. À partir d'un autoportrait classique sur fond noir, les élèves devront, grâce à un logiciel libre et simple d'utilisation de traitement de l'image, réaliser des incrustations successives de parties de photos qu'ils auront prises et préparées préalablement pour obtenir une image composite. Donc cette image doit traduire un peu de ce qu'ils sont. Cette production pourra être accompagnée d'une production littéraire qui entrera en écho avec cette production graphique. Les différentes productions seront ensuite compilées dans un recueil de qualité professionnelle qui sera édité. De même, un site spécifique pourra donner de la visibilité aux productions.